Tauros de Paldea, pourquoi pas. Oh, en plus la version O. Oh, ça c'est difficile de dire non. Ça c'est difficile de dire non parce que c'est une horde qui est méga giga rare. Hein. Le problème c'est que j'ai peur de... Bon, je me spoil la couleur du shiny pour voir si c'est visible. Et si c'est pas visible, rip. Et si c'est visible... Attends. Quoi? C'est quoi la différence en fait, s'il vous plaît? Il est plus foncé sur le corps! Il a la même couleur de fourrure que du corps, mais laisse tomber. Wouah! Wouah! Bon, allez, vas-y pour le sport du truc. Il y a un TP qui est juste à côté. C'est vraiment parce que c'est un Pokémon. Pour que je puisse dire, j'ai un des Pokémon les plus rares en shiny. Donc pourquoi pas un sandwich type eau. Mode créatif, tomate, concombre, deux fois, oignon, poivron vert. Et steak haché. Et on fait épices. Ah, j'ai deux épices. Ouais, sucré, mais pas... Et voilà, 3 heures plus tard, une tartine sandwich avec un pic pour être sûr que ça tombe pas de l'assiette. Avec un... Brillance et rencontre au niveau 3. Tu te fous de ma gueule. Je dis que j'ai moins de chance de le trouver là-dedans que dans le trouver là n'importe où. Ah putain, ils rentrent pas dedans en plus. Nique. Bon, je vais pas le taper parce que j'ai peur qu'il ait une technique genre comme Bélier ou je sais pas quoi. Même si Bélier ça fait pas. Et à tous les autres. Mais allez, rentre purée. Après, je peux peut-être aller à la baseball en fait. Ou la sombre ball, je crois que ça marche quand il fait nuit. Hein. Ok. Baseball. Voilà, merci, incroyable. Tauros de Paldea version O shiny. C'est bien parce que il était rare que j'ai pas craché sur la horde quoi, mais... C'était pas le type O. Bah oui, je fais pas partie de la horde. Allez, nique-toi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas fini en fait. C'est juste pas fini, j'ai juste eu un Tauros de Paldea shiny dans un groupe, donc oui, j'avais bien dit en fait que ça faisait pas partie de la horde. Ça fait tellement pas partie de la horde que c'est pas un taureau. Un Tauros type O, parce que la horde c'est que des types O qui pop. Donc voilà, je dois retrouver le même dans la horde. Donc ça veut dire que il est pas affecté par mon. Il est pas type O, donc dessus il est pas affecté par mon sandwich. Et il est pas affecté par la horde, puisque la horde ne fait popper que des Tauros. De type O. Donc ce qui veut dire que j'avais une chance sur 1300 d'avoir ce Tauros là, alors que j'ai une chance sur 512 d'avoir un des Pokémon qui pop dans la horde, qui pop par 20 000 par passage. Voilà.
Bon, cette fois-ci, on vérifie bien. Il a bien des gouttes d'eau en dessous de sa gueule. Donc c'est bon, c'est bien lui. C'est celui qu'on veut depuis le début. Voilà. Et il est capturé dès le début. C'est bon, on n'en parle plus. On y